Découvre les pays de l'Union européenne en moins d'une minute. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Toujours en 1973, et c'est au tour de l'Irlande de faire son entrée dans l'Union européenne. Sa capitale est Dublin, et la monnaie utilisée est l'euro. L'Irlande a négocié une clause de non-participation à l'espace Schengen. Les langues officielles sont l'irlandais et l'anglais. En Irlande, il n'y a pas de fête nationale, mais le jour férié le plus célèbre est le 17 mars. Il s'agit de la Saint-Patrick. D'ailleurs, savais-tu qu'en Irlande, il existait un petit hameau dans le comté de Galway qui compte plus de lettres dans son nom que d'habitants. Il s'agit de Mukenufadurdedaolia. Oui bon, c'est pas facile à dire. Évidemment, je ne pouvais pas parler de l'Irlande sans parler de la fameuse Guinness. Juste pour ton information, sache que le plus grand consommateur de Guinness au monde n'est autre que le Nigeria. Allez, abonne-toi !